Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement dans une trip reaction. Mais avant de mettre un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Mélimélo. Roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, le générique. Oui, j'ai décidé de faire la sortie du jour dans une tube reaction, donc je vais réagir à trois artistes groupes, car c'est plus simple avec mon fils, car mon fils est malade depuis quelques jours. Là, ça va un petit peu mieux, on dirait, mais je préfère pas m'avancer. Ma météo du jour, écoutez, quand vous avez un enfant malade, plus mes insomnies, etc, 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 bah j'ai pas une météo beau fixe, on va dire que ma météo du jour est un petit peu comme celle qui est dehors, pluie déluvienne, ciel gris, tempête, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, voilà. C'est pas florissant, florissant, mais j'essaie de garder le smile et de rester positif. Parce que je me dis, il y a tellement pire dans la vie. Mais de voir votre fils de 6 mois, oui parce qu'il a eu 6 mois samedi, malade, j'ai gros sur la patate. Je ne pensais pas, quand j'écoutais les mamans autour de moi, que ça allait être aussi dur comme il me l'avait dit. Bah si, bah si. Limite j'ai envie de prendre tous ces microbes et foutu microbe, j'arrête pas de dire méchant microbe, partez, 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 laissez mon fils tranquille. Bon, arrêtons de parler là, j'espère que vous allez bien, que votre météo du jour est un petit mieux, un petit peu mieux, même beaucoup mieux que la mienne, et que vous avez passé quand même relativement un bon week-end ou un bon carnaval également. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a le retour des Tempest, Highlight et de notre cher Shunga. Il était temps, donc vous l'avez compris, c'est à ces trois artistes groupes dont je vais réagir dans cette vidéo. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre de celle-ci. J'ouvre le bal avec le retour de notre cher artiste solo coréenne Shunga. Il était temps, j'ai envie de vous dire qu'elle nous revienne et je peux vous dire que j'ai très hâte de voir ce retour. Elle revient officiellement avec un nouveau single digital qui se nomme Heini Meini. Mais pas tout seul, en featuring avec mon ultime bias, j'ai nommé notre cher capitaine des 80s, Hwang Jong. Il faut savoir qu'ils ont coécrit tout simplement les paroles de ce titre. Donc, ils se sont investis du début jusqu'à la fin dans cette chanson. Moi, je vous dis oui, 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 j'achète. On va faire comme dans Danse avec les Stars. Je t'ai pas vu d'ailleurs Danse avec les Stars samedi tellement que j'étais KO. Allez, c'est parti, on se met dans l'axe et j'ai envie de te dire let's go. Si vous entendez mon fils bah tousser, rouspéter, que je cut la vidéo, bah voilà, c'est normal hein. On essaie de faire comme on peut avec une organisation comme on peut. Oui, je me répète souvent, mais bon, vous savez, parfois les méchants commentaires des gens hein. Heureusement que j'en ai pas tant que ça. Hop là. On a vraiment des basses très accentuées. Hein. Oh, elle est trop belle. Elle m'avait manqué. Hein. J'espère qu'on a un fit. Fit, tu vois, pas demi-fit. Oh, j'adore ce qu'ils ont fait dans ses cheveux là. Oh, elle est... ouais, un toboggan. Génial. Trop classe. Qu'est-ce que je prends? C'est basse. Je pense que Liam aime bien aussi. Tes petites toupettes dans mon cœur. Aïe. Mais c'est trop classe cette tenue. J'espère qu'elle n'est pas tombée dans l'escalier. Oui bon, ok, Hwang Jong va apparaître juste pour quelques phrases en fait, c'est dommage. Pardon mon cœur. Oh, vous avez vu là? Wow, sympa. On a quelque chose de très Oh, c'est hyper classe. Uh-huh.
On a vraiment un rythme dansant, mais on a des contrebasses tout le temps en fait. Ah, enfin. Ce mec, hein. Oh, j'aurais voulu plus de Hong Jong. Après, la chanson ne dure pas longtemps, hein. Elle dure que 3 minutes. Bon, elle peut nous revenir quand elle veut avec quelque chose d'autre, hein. Vraiment. Gros coup de cœur pour ce retour. On a vraiment une chanson avec ce rythme qui est dansant en tout temps, mais en même temps sur une ligne de contrebasse. Tu as tout le temps ces basses en tout temps, assez lourdes, assez répétitives, et cette guitare, ces instruments en corde qui apportent ce truc. Ah, vraiment très très bonne chanson, un style assez R&B hip-hop avec le rap de Hong Jong. On dit waouh waouh waouh, oui, mon fils est excité comme une puce. J'aime beaucoup le message et les paroles qui expriment clairement de prendre des décisions selon ton instinct, tout simplement, que de ressentir trop la pression qu'il y a autour de toi et de prendre tout simplement la bonne décision, pas écouter ce que les autres te disent en fait sous la pression. J'aime le fait, comme je vous l'ai dit avant ma réaction, qu'ils ont tous les deux participé à l'écriture des paroles de cette chanson. Franchement, le MV m'a beaucoup plu également, surtout ses vêtements très extravagants, que ce soit Chunga ou les danseurs. Par exemple ce casque un peu en mode côte de maille au temps du Moyen-Âge, un peu chevalier, cet habit tout en noir, juste des gros yeux un peu comme une mouche, enfin comme un insecte, hein, franchement c'était très beau, j'aime beaucoup la chorégraphie, t'as très vite le refrain en tête tout en se pas savoir ce que tu fais, qu'est-ce qu'il y a. Voilà, franchement j'aime beaucoup. Ce que je vais faire maintenant, c'est réagir tout simplement à son titre Haim Reidy, c'est le deuxième titre qui est sur son single, enfin plutôt le premier, qui est sorti il y a à peu près une semaine. Elle nous a sorti tout simplement un MV également. J'attendais tout simplement que son retour officiel aujourd'hui ait lieu pour réagir également à ce titre. Allez, c'est parti, let's go! Oh, j'adore! Waouh! Wow. Ces looks toujours autant beaux. Ce que j'aime bien avec Chunga, elle nous épate à chaque fois avec des concepts différents, des styles musicaux différents, et ça lui va à chaque fois à merveille. Là, on a vraiment un contraste par rapport à son autre titre. On a l'impression de rentrer dans ses filets. Oh, un extrait, d'accord. Oh, et sympa. Trop court cet extrait, enfin, je veux dire, pour I'm Ready, c'était trop court. On ressent encore une fois de la part de Chunga, elle nous fait ressentir à travers sa musique chaque fois sa personnalité qui est clairement unique, et j'aime beaucoup sa capacité de dominer cette scène, cet espace dans ce studio. On a vraiment des tons blancs ou noirs, on a quelque chose de très très classe, un petit peu hypnotisant comme une araignée qui va nous prendre dans ses filets. J'aime le fait qu'elle montre vraiment que c'est une artiste à part entière, qu'elle a vraiment un haut niveau qui est sûrement parfois même difficile à être dépassé par rapport à d'autres artistes. J'aime beaucoup le fait qu'elle
allez, comment dire, qu'elle nous prouve ses capacités illimitées à vraiment digérer des concepts et des ambiances qui sont assez contrastées et qui nous ravissent les oreilles, les yeux, tout ce que vous voulez. Là, on a clairement quelque chose de complètement différent de son titre phare. Mais ce que j'aime bien, c'est vraiment cette chorégraphie qui est encore une fois très très bien travaillée, qui est très sensuelle à la fois. Comme je vous l'ai dit, hypnotisant, des looks à gogo magnifiques, excentriques, mais qui lui sied à merveille. Je ne sais pas quoi dire de plus, à part que ce retour pour moi est une réussite. On l'a entendu, mais ça valait le coup d'attendre. Au niveau, en tout cas, de son single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constituées donc de ces deux titres. J'aime beaucoup la police utilisée sur les côtés, on dirait vraiment comme si c'était des différents buildings sur le côté. J'aime beaucoup la police et on la voit tout simplement très très classe avec ce bandeau, ce côté très R&B pop. Enfin, je sais pas quoi dire de plus à part que c'est une réussite dans tous les sens du terme et que j'ai hâte d'écouter l'intégralité de son single plusieurs fois, même s'il n'y a que deux titres. Mais vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, je vais réagir au retour du boss group coréen Tempest qui nous sort leur 5e mini album qui se nomme Tempest Voyage, et pour l'illustrer, leur titre phare qui se nomme Lighthouse. Mais j'avais mis le mauvais MV ici, hop, voilà. Bon, on va attendre que la pub passe, évidemment. Franchement, Tempest est un groupe que j'aime bien dans son ensemble. Chaque fois qu'il nous sort quelque chose, je suis relativement conquise, donc j'ai vraiment hâte de voir celui-ci. Quand je vois le titre de leur album et le terme voyage, je veux voyager. Clairement, je veux voyager. Pas vu de teaser photo ni vidéo, donc ce sera une totale surprise. Ça m'arrive souvent maintenant. Allez, let's go. Ouh, c'est quoi toutes ces boules lumineuses? Mais tu peux pas aller à terre, tu sais pas comment marcher. Oh. Ah, ça fait un peu marin comme ça, comme en voyage. On dirait qu'ils sont sur une sorte de navire ou de ponton, tu vois, qu'il y a souvent à la plage, à la mer, ou les océans si vous voulez. On reconnaît cet endroit qui a été beaucoup utilisé pour tourner plusieurs MV. Oh, vous savez, ça me fait penser à toutes des voiles déchirées. On reste dans cette thématique voyage, je trouve. Tu vois, baisse l'encre vers moi, tu n'as pas peur. Oui, on parle concrètement de voyage, de paradis, d'être attiré. On parle de phare aussi, qui va les guider secrètement. Non, on a vraiment une très bonne chanson. Ouh. J'aime le fait qu'on est vraiment dans ce côté voyage, dans tout. Oh, avec des petites bretelles et tout, sympa, ce côté marinière. Hein. Les yeux. Ah, j'adore le pantalon à carreaux, là, très large, très joli. Ah, de la flotte, j'adore la flotte. C'est très joli. Qu'est-ce que tu fais? Tu danses? T'es malade, mais t'es bourré d'énergie aujourd'hui, hein. Oh, quel beau sourire que tu me fais là. Ah, j'aime beaucoup ce titre. Je pense qu'on va encore avoir une vidéo sortie du jour quadruple reaction plus qu'une triple reaction finalement. En beauté. Pardon. Mais j'en peux plus de mon fils. Il m'épuise, mais en même temps c'est tellement un bonheur d'avoir un enfant. C'est bizarre ce que tu fais. Tu sais que maman doit se concentrer. Heureusement qu'une femme, c'est la plus belle chose. Non, tu peux pas aller sur le sol. J'aime beaucoup les références, les métaphores à ce voyage avec le phare.
Après, le titre veut dire le phare. Hein. J'aime beaucoup. Comme une vue de phare. Sympa. Ils vont au phare, là, ou pas? Bon, tu as arrêté de t'exciter comme une puce. On a une chanson qui est relativement pop avec une basse de quelque chose d'autre. Vraiment, j'aime beaucoup la chanson qui est relativement passionnante, surtout au niveau des métaphores et de son histoire, de ce côté vraiment voyager. Tu vois que Tempest traverse, comment dire, des océans, des pluies diluviennes, comme si ça pouvait montrer peut-être une certaine, douleur. J'aime le fait qu'il monte une atmosphère quand même à la fois émotionnelle, mais quelque part un petit peu heureuse, parce que c'était pas non plus une chanson triste à souhait. Je trouve que cette chanson, quelque part, contient une certaine une promesse de devenir un être, quelque part lumineux, qui peut te mener vers la mer, quelle que soit sombre ou agitée. Et eux, cette lumière, ce sont tout simplement le phare. On a vraiment toute cette métaphore à travers ce phare, ce côté voyage, ce côté, guide. Le MV, ce que j'ai beaucoup apprécié également, c'est ces grosses boules lumineuses, ce sort de brouillard, comme si on était sur un ponton au bord de l'océan. On avait vraiment concrètement pas ce phare en fond, c'est dommage. J'aime beaucoup aussi ces sortes de voiles comme ça qui peut représenter un bateau échoué avec cette toile toute déchirée. Non, franchement, on a un côté, les Tempests nous emmènent dans un voyage, dans un monde qui est très vaste. Enfin, c'est franchement sympa, ce côté navigation en haute mer, ce côté voyage, toutes ces métaphores dans ce texte, mais également dans le visuel. Non, ça m'a beaucoup plu. Liam ne tient pas en place. Ça va être de plus en plus difficile de faire mes vidéos avec lui, je vous le dis. En tout cas, au niveau de leur album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constituées donc de 4 titres. Et au niveau du visuel, bah, t'as l'impression qu'on a une goutte d'eau qui est tombée, en fait, dans cette mer, peut-être. On voit une sorte de... je sais pas, de gros haut comme ça, peut-être qui représente le haut de voyage, et c'est un peu tout brouillé, vraiment comme si on avait des vagues de mer. T'as également ça sur la police utilisée pour le titre voyage, donc je sais pas, enfin, on reste vraiment dans cette thématique, la mer, voyage, phare, etc., donc c'est assez sympa. Dernier groupe dont je vais agir dans cette triple reaction, on va dire quand même, hein, même si j'ai réagi à 4 vidéos, c'est au retour de notre cher boys group coréen vétéran de la K-pop, Highlight, qui nous revient donc avec un 5e mini-album qui se nomme Switch Home et leur titre Poly. Allez, c'est parti, let's go. Liam, il n'y a pas à lécher mon bras comme ça. Oh, ça a l'air quelque chose de festif. C'est vrai qu'ils sont plus que 4 hein, maintenant. J'ai adoré son personnage dans le drama Mice and Buns. D'ailleurs, je l'ai regardé chaque semaine tellement que j'aimais bien. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ils font vraiment des courtes chansons maintenant. Ok. Ça me fait rappeler un petit peu leur début là. Comment ils arrivent à rester serrés comme ça, trop marrant. Oh.
Ok, on a vraiment une touche très très humoristique du groupe. Secouer la tête pour la fête. Wouhou! Allez, on va faire la fête. Oh. Ils ont dû trop rire. Ah, j'adore leur look. Ah là, il note là comme il faut. Oh. Oh. Allez, il note tenu comme ça. Oh, allez, on boit un coup sec. Oh, pas mal là. Bon, je suis désolée et pas parce que mon fils est... Même s'il est malade là, il est excité comme une puce, il va dans tous les sens. Hein. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, hein, une femme sait faire plusieurs choses à la fois. Je sais m'occuper de mon fils, en même temps réagir, regarder, écouter. Bon, on va pas déblatérer un peu plus. En tout cas, le retour de Highlight, franchement, j'ai adoré encore une fois cette touche humoristique qui est bien particulière au groupe, hein, j'ai envie de te dire. On a vraiment une chanson qui fait très house, qui présente quand même une sorte de style de musique unique qui est rafraîchissant de la part du groupe qui n'a pas encore été montré jusqu'à présent, il me semble. Je trouve qu'on avait un petit peu des similitudes avec leur titre de leur début il y a des années, mais non, en fait non, on a quand même quelque chose de complètement différent de ce qu'ils ont déjà proposé en termes de sortie et de comeback. Je trouve que la chanson, elle transmet vraiment une confession d'amour, de ce que j'ai pu déduire à travers en tout cas les paroles, qui est assez confiante, dans laquelle chaque moment actuel, comparé à une danse, ensemble, en clair, ou clair de lune, ouais, voilà, et que c'est un moment qui est très important. Voilà, c'est un petit peu le résumé de ce que je fais des paroles. En clair, on a une chanson d'amour au clair de lune, en dansant, tout simplement. J'ai bien aimé la chorégraphie. On a un MV qui se passe principalement dans un hôtel de luxe, on dirait. On a vraiment des vêtements qui sont très extravertis à certains moments, à d'autres moins. Mais ça reste le groupe, quoi. Même s'ils nous présentent quelque chose de différent, assez différent de leur précédent titre, celui-ci m'a beaucoup plu, surtout cette énergie pepsante, pétillante. Ça te donne tout simplement envie de danser avec eux, hein. En tout cas, au niveau de leur nouvel album, il est composé de 5 titres. Et au niveau du visuel de la jaquette, bah, vous retrouvez ce côté très humoristique, très marrant. Tu vois qu'ils se tiennent les oreilles, qu'ils regardent, qu'ils ont un air un peu espiègle sous un fond mauve. Le titre utilisé, enfin la police utilisée pour le titre, bah, dans un jaune pastel. C'est assez sympa. Donc voilà, ça reste coloré, enjoué, un petit peu comme leur titre, j'ai envie de vous dire. Et vous, mes chers Mélimélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel titre vous avez apprécié des sorties du jour. Si vous avez apprécié plus celui de Shunga et sa collaboration, le premier titre ou le deuxième titre. Si vous avez apprécié tout comme moi les deux titres de son single. Si vous avez apprécié également les deux thématiques, les deux styles utilisés pour chaque boys group. Donc celui de Tempest et Highlight. Qu'est-ce que vous avez pensé également du visuel et de l'histoire racontée derrière celle-ci. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça me ferait plaisir. À vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Yonara. Like